Bonjour et bienvenue sur DNA Games, vous êtes avec David et nous allons continuer Super Mario World Yoshi Island. Nous y allons. Tout, 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 tout. Château de gros machalou. Encore des nouveaux éléments de gameplay. Pip, pip, pip. Encore un niveau qui va bien faire laguer. Y'a trop de trucs en 3D. Du coup, c'est ta mère. J'ai pas voulu dire ta mère, j'ai voulu dire de la merde. Je suis désolé si j'ai offensé votre maman, mais moi je m'en fous de votre maman. Bonjour créature d'eau et de terreur. Ce niveau est génial, très créatif. Il vous oblige à réfléchir et à ne pas mourir. Si vous mourrez, je ne garantis pas que vous surviviez à ce qui va suivre. Attention, Yoshi et Mario sont dans la Tessie. Ce poisson piou-piou m'a énervé dans mon enfance. On va continuer. Pour l'instant, ça va, c'est pépère. Voilà. Par contre, après, ça va être un peu plus ardu. C'est pépère. Puis ça devient trop zarbi. Parce que les musiques de ce jeu veulent toujours dire quelque chose. Tu vas crever, t'es vil, tu vas bien crever. Faut pas oublier que ce jeu est un gros piège à geek. On croit que c'est facile, et voilà qu'arrive un nouveau gameplay bien trop trop bizarre. Attention, le hockeyeur, il est chiant. C'est typique. Voilà. Pour que vous puissiez l'affronter. Oh merde, j'ai failli me faire avoir. Bon. En fait, voilà à quoi sert la pièce d'à côté. Et pourquoi c'est chiant, parce qu'on doit y retourner souvent. Et surtout pourquoi ce poisson piou-piou est chiant. Parce que vous devez toujours le voir. Heureux, désolé, j'ai eu un bug sur mon PC, donc j'ai dû redémarrer l'enregistrement. Donc vous n'avez rien loupé, hein. J'ai vu que l'enregistrement avait foiré. Tout seul comme un grand. Putain, mais il y a trop de fantômes en dessous par rapport au piou-piou. Piou-piou! Arrête, 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 arrête! Et
Et là, il va me faire chier parce que j'ai envie de récupérer le bébé, voyez-vous? Quand je dis que quelque chose est chiant, c'est que c'est chiant. C'est bon, j'ai assez de... Bah, deux. Pépène, je ne sortirai pas de ce château avant d'avoir réussi à faire sauter la pièce de devant. Parce que oui, comme on est dans un château, la pièce avec la clé est primordiale pour avancer. Voyez-vous? C'est pourquoi on nous a mis toute une salle comme ça, avec un gameplay complexe. Comme ma bite. On y est. La pièce qui fait chier. Merde. C'est pas grave, il y en a un autre. Et merde. Trop d'éléments de gameplay, voyez-vous. Mon PC supporte mal les éléments de gameplay. Et sinon, vous allez bien, vous? Oui, c'est flex. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est Bowser. Tu vas affronter Bowser, regardez-moi ça là, ça ne peut être que Bowser. Eh ben non, voilà ce que j'affronte. Floppy la flop. Ne vois-tu pas que le bébé désire aller au château de Bowser? Si tu veux, je peux l'emmener. Et voici ce que je vais devoir bouffer. Et voilà ce qui va se passer. Il va complètement se dégonfler. En fait, le truc qui était supposé être dur, voyez-vous, c'est que j'étais supposé tomber dans la lave. Salut Yoshi! Yoshi, c'est le meilleur! Il est supérieur! Yoshi! Il fait des trucs. Alors je vous laisse bientôt en vous. Voilà, donc il est en train de me dire: vous voyez les niveaux? Ce serait bien que vous ayez 100%. Yoshi avance donc en zone 2. Premier château explosé. Cette île m'appartient. Et voilà, nous sommes dans la zone 2, donc ce sera pour une prochaine fois. Je vous dis à bientôt sur Diane Games, c'était Devil. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre un like, hein, et puis un petit commentaire pour nous faire plaisir.
Dites-nous ce que vous imaginez être les boss du niveau 4, enfin, du niveau 4 et 8 de la zone 2, mais bien sûr, bah, vous pouvez l'imaginer. Je vous dis à plus sur Dianegames.